Yo, bande de Roger, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le nouvel Assassin's Creed Chronicles China, enfin China Chronicles, on va dire ça comme ça. Et donc aujourd'hui, ça va être un let's play, hein, j'avais envie hein, de faire un petit let's play sur ce jeu rigolo. Donc, on va commencer tout de suite, hein, sans plus tarder. Hein, Ah d'accord. Bon, normal alors. Je voulais un petit peu de difficulté, mais bon, c'est pas bien grave, hein. C'est pas plus mal, je vais vous dire, comme ça. Merde. The box is empty, or should I say, incomplete. Where is the rest of it? We know who you are. We know who you were. You've come far for someone who was merely once a concubine. I will ask you again, assassin. What is this box? Where did it come from, and what is its purpose? Why continue to resist us? Look around you. No one is coming. We wiped out your order. There is no escape from here. Why would I want to escape? I am exactly where I want to be. Such arrogance! Ma Yongcheng will make you talk. Let him try. No wonder your kind fell so far. My kind isn't done yet. Oh. Donc voilà, comme vous avez pu, je vous ai laissé apprécier la petite cinématique, hein, devrais-je dire, qui est très jolie, en tout cas un style graphique pas mal. Hein, je vous aurais présenté pas mal de styles graphiques, je pense, dans mes vidéos. Hein. Alors après sa capture volontaire, envie d'approcher, machin, des tigres de... Donc là, faut que je m'échappe, faut que je trouve mes armes et faut que je nique tout le monde. Bon. Donc, j'ai passé sans faire exprès tout à l'heure un truc. Ouais. Pourquoi pas. Donc, D pour avancer, après Q pour reculer, hein. C'est de la 2D normale. Après, espace pour sauter. Sprinter. Alors ça ne me va pas du tout. Parce que j'aime bien paramétrer mes touches. Comme vous pouvez le voir, des points. Tac, tac, tac. Bon. Il n'y a que des fragments d'animus. Donc c'est pas bien grave. D'accord. On ne peut pas changer les touches. C'est. Bon, c'est pas grave. Je ferai. Là, on appuie sur espace. Ouais. Contrôle là-bas. Voilà. Faut que je repère mes touches, hein. C'est juste que voilà. Hein? C'est qui? Je suis là, ne bougez pas. Pas trop, pas. Attendez. Oula. Ok, donc j'ai compris un petit peu comment marchait le système, mais j'avais déjà un peu vu. J'avais un peu vu le système, j'ai vu quelques vidéos d'Ubisoft. Donc, comme vous pouvez le voir, quand on est dans le truc rouge là, enfin dans la zone de perception des gens, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, c'est pour lâcher, ok. En tout cas, elle est très classe, l'héroïne. De toute façon, les touches vont être appelées à chaque fois, je pense. Ok. Oula. Oh, pense pas. Non, non. Oh putain, j'ai cru que j'allais crever. Ce skill. Donc, je sais pas grand-chose à dire parce que je... Enfin, je ne dis pas grand chose parce que j'ai pas grand chose à dire, c'est tout simplement ça. Hein. Donc là, je continue, je découvre le jeu. Vous pouvez le voir. Hop. Par contre. J'essaye, il y a un truc en haut, ça m'intrigue tout ça. Bon. On pourra passer plus tard, à mon avis. C'est. Hop, voilà, c'est ça. Donc ça va pour l'instant, ça se prend plutôt bien. J'arrive à manier l'assassin.
Donc je ferai peut-être aussi des vidéos sur les autres, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, enfin, dans les commentaires, hein, à me dire si tout cela vous a plu. Là, je fais une petite glissade du garagiste, comme on appelle ça dans le métier. Hop, et voilà. Donc, bon, pas très compliqué, c'est là trop, donc... ça va, encore. Hop, on grimpe, il y a devant un truc, voilà, il y a un truc. Ouf. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Normalement, ça devrait donner des points pour acheter des trucs et tout. Comment on fait pour l'assassiner? Hop, on se barre. Hein, ombre or. Ok. Ok. D'accord, la discrétion. D'accord, donc en gros, bon, je vais les tuer parce que je m'en bats les couilles. On se barre. Ok, je comprends un petit peu ce qui se passe. Donc là, pour l'instant, c'est juste... Bon, je fais le ninja, hein, c'est que je m'approche même pas des gens, hein, je prends même pas le risque. Je suis pas armé, hein, comme vous pouvez le voir. Par contre, ils m'ont laissé mon truc. Donc vous voyez, dans ce machin, là, je sais pas comment appeler ça, dans la zone de perception, comme ils appellent ça, si je rentre dedans, bah, je me fais niquer. Ok, je viens de comprendre. Allez, cours. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, là, je fais comment? Oh! Cette violence de la part de machin là. Je sais comment elle s'appelle. Donc on peut cacher les corps. On va être content. De quoi être même très heureux. Bon bref, en tout cas. Oula. En tout cas, à mon avis. Oups, je me suis fail, désolé. On court tête des loutres. Oula, bah merde, je me suis fait un petit peu niquer. Hein. Good to have you back, my friend. C'est pas bien grave. J'aurais préféré pas trop te faire de... Oh! Cette violence. Voilà. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, on se bat. Oula, elle m'a fait très peur là. Ok. Donc pour l'instant, le tuto se passe plutôt bien, hein, tout en douceur, tout en mignonnitude, hein, comment on appelle ça dans le métier. On est plutôt bien calé. D'accord, la vision d'aigle. Hop, on va se barrer. Allez hop, on se barre. Moi, je vais plus essayer de tous les tuer, hein. Enfin, pas tous les tuer, mais ceux qui sont sur mon chemin, hein. Par contre, je vais pas me faire chier, hein. Je vais les cacher, je vais...
pourrait tout dire, les gardes appuient sur toi pour sélectionner. Alors. J'ai. Oh. C'est respect. Bref, donc, on s'en fout. On continue. Ombre or. Donc, il y a plusieurs moyens de faire le jeu, si j'ai bien compris. On peut soit esquiver les. Enfin, les combats. D'accord, bon, là j'ai eu très peur, hein. J'étais là en mode est-ce qu'ils vont me griller? Oula, bon, les mecs ils sont aveugles quoi. C'est pas grave, hein. C'est bon, c'est bien, c'est bon pour moi, j'ai envie de venir. Putain, j'arrive plus à parler. Oula. Oh. Bon, sur ce, je tac. Ouvrir les coffres maintenez Z. Hop. On prend ça. Donc ça c'est pour les munitions. Oula. Oh. Tintin. Bon, ça c'est ma lame à mon avis. A little distraction could help me here. On s'en fout, je vais utiliser. Oups. D'accord. Donc apparemment, je suis mal. Donc. Faut rester en mode ninja. Oula. Oula, oula. Bon, dommage. Il m'a mis tarot. Donc, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Donc, je vous propose plutôt de siffloter gaiement. Non. Ninja. Oh! Alors là. Là, c'était. C'était. Je sais pas comment vous dire, mais c'était. C'est digne d'un des meilleurs assassins de. Hop. Oh! Avec le thème d'Assassin's Creed qui a été. What? Ah ok, j'ai compris. Remember to look for signs your opponent is about to strike. Yes, that's it. Voilà, donc là on s'amuse. Time when you block performer all over. Non, on a bloqué, j'ai appuyé. What? Alors là. Pied. J'appuie là. Oh, ou. Alors là, attendez. Ça va pas, ça va pas. Parce que là, j'ai. Oh. D'accord, bon. Je sais ce que j'ai fait. Ah, oh, ok, d'accord, j'ai compris. Pour changer de. Ok. Merci.
Attack this enemy. Show me how you strike with your sword. Donc là, faut juste bourriner. Standard attacks are quick, but they deal little damage. Strike the enemy harder than that. Ok, donc il y a un coup normal et un coup chargé, on va dire mi-chargé. Un peu plus puissant. Oh. D'accord. Après, il y a... Oh ouais, on peut comboter là. Oups. Donc les ennemis affaiblis ont un petit icône en dessous de leur tête. C'est chaud, hein. C'est pas facile. Shoujun, ok. Donc, au clavier, c'est pas super évident, en fait, de parer et tout, d'attaquer en même temps, mais j'essaierai, de toute façon, ça se maniera avec le temps. Parce qu'avec le temps, bah tout vient, j'ai envie de vous dire. Donc, hop. Contrôle. Oula, le skill d'un homme. N'empêche, j'étais plutôt content de mon action de tout à l'heure, hein. Qui c'est ce gazier? Tac, tac, tac. Ah, c'est l'informateur, ok. Bam. Bon, en tout cas, le level design est pas mal. Hein. Je pense que je finis cette mission et je vous laisserai pour le premier épisode. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, on va voir. Donc les bleus, en fait, c'est un temps limité, et les rouges, faut juste finir et c'est tout. Merde. Oups. Bon ben... Ah, on peut le faire maintenant. Bon. Non. Bon bah dommage. Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the tigers to fall, but you will not be the last. D'accord, donc les grands ennemis, c'est... Bon bah dommage, moi je voulais... Un fragment, j'en ai récupéré que 3. Bon. Bon bah voilà. Je pense que je vais vous laisser pour le premier épisode, l'épisode un petit peu prologue. Hein. Et continuer. Hop, barre de santé. Oh, pas mal. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Là, il va me donner tout ce que j'étais bloqué. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, bon, c'est pas grave. Je laisse ça. Sang-Yong's tigers saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us. All but wiping out the Brotherhood. Gao Feng's death will send a message to the Templars. The assassins have returned. Et boum! Donc, gros cliffhanger, vous verrez ça dans le prochain épisode. Ne vous inquiétez pas, hein, normalement il y en aura un deuxième. Donc sur ce, je vous dis bisous à tous, hein, et à la prochaine, c'était Dark Moon pour le premier épisode d'Assassin's Creed Chronicles. Allez, salut!